Bonjour. Ok. Ça fait quelque temps que vous m'écoutez et vous n'osez pas vous lancer. Vous avez peur. Je suis consciente que je ne suis pas. Je suis consciente que ce que je vous dis, je ne suis pas la première personne qui vous dit ces choses. Certains d'entre vous, même avant que vous ne soyez adulte, vous avez déjà même l'esprit qui vous enseignait. Bonjour la reine Erika. Bonjour à tout le monde. Donc, vous avez une intuition qui est très forte. Donc, c'est comme si vous entendiez déjà une voix à l'intérieur de vous depuis. Certains, peut-être, vous avez votre grand-mère qui vous enseignait. Mais vous avez cette peur qui persiste. La peur, c'est quoi? La peur, c'est juste une idée que quelqu'un a plantée dans ta tête. Soit c'est la télé que tu as regardée, soit c'est un ami qui a parlé, soit tu as regardé Facebook. Et cette idée, en fait, t'empêche de poser un acte, d'aller quelque part ou de dire quelque chose. Parce que si tu penses que si tu fais ou tu dis la chose, quelque chose de mal va t'arriver. Christelle Fomen, ne t'inquiète pas, je l'ai fatiguée. Oui. Si tu veux pas m'écouter, tu peux partir. Tu as compris, ma chérie. Vous aimez quand on vient vous faire les vidéos, on a le make-up. Tu es sur la mauvaise page, si c'est ce que tu cherches. Tu as compris, ma chérie? C'est le jour où je vais me mourir, qu'elle va me reposer. Vous avez compris? Et ça, c'est dans beaucoup, beaucoup d'années. C'est ça votre problème aussi. Oh, il faut que je me repose beaucoup. Il faut que je fasse ceci. Pour changer le monde, tu dois oublier toutes les pensées-là. Moi, tant que je n'ai pas fait mon pointage de la journée, tant que je n'ai pas fait ce que j'ai dit que je devais faire, même si je suis fatigué, il y a les jours où à 22h, avant tu es à 22h, tant qu'on t'a fait le lavage des gens, et tant quoi, s'ils avaient la bougie devant moi et les seaux, je lavais les gens. Grâce divine, écoute, hein, je vais même te bloquer. Tu n'as pas peur, tu es sûr. Écoutez d'abord ce que j'ai à dire. Ne commentez même pas. Ne faites pas que je viens me détourner de ce que j'avais à vous dire. Si quelqu'un m'écoute, ça ne lui plaît pas. Qui il enlève, il passe au coucher, il dort. Vous comprenez bien. Et si votre commentaire ne me plaît pas, je vous bloque. Voilà. La peur, c'est quelque chose que tu as une idée que tu as pris. Peut-être quand tu étais petite. Et tu te dis. Si jamais je prends l'avion va faire l'accident, je vais mourir. Une idée te vient. Quitte la ville où tu es, tu pars t'installer à Paris. Oh, si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Et si j'arrive là-bas, ça ne marche pas. Quand tu me dis que tu fais tous les kits, tu as plus, tu n'as pas peur là. Tu te trompes toi-même. Ils ne vont même pas commencer à parler pour toi. Oh, mais voilà, je suis infirmière. Si jamais je quitte le boulot d'infirmière pour aller lancer mon business, qu'est-ce que les gens vont dire? Vous ne savez peut-être pas, hein?
La peur est dans... Donc, vous avez peur jusqu'à... C'est dans chaque acte que vous posez ou que vous ne posez pas. Vous aimez être confortable assis dans votre chambre. Vous regardez mes vidéos sur Facebook. Vous n'agissez pas du tout. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Je m'en fous. Je m'en fous. Je parle, ça sort comme ça sort. Vous n'aimez pas la vérité. Il y en a parmi vous, vous êtes dans un mariage. Ça ne marche pas depuis 10 ans, même depuis la première semaine de ce mariage-là, ça ne marche pas. Tu as peur de l'opinion des gens. C'est le divorce, qu'est-ce qu'on va dire? Vous dites que vous n'avez pas peur? Vous parlez de quoi? Vous avez peur de l'opinion des gens. Ah, je ne peux pas faire ça parce que mon oncle va dire que... Oh, ma mère va dire que je suis... Mon père va dire que... Voilà les manifestations de la peur. Il y en a même, vous avez peur de vos clients. Moi, je vous dis, oh, écoutez, je n'ai pas peur de vous. Même si mon audience est décente, ce que j'ai à dire, je vous dis. Si vous trouvez, oh, c'est vraiment pour qui? Souvent, il y en a parmi vous quand vous arrivez ici, non? Quand vous me voyez physiquement. Que non, au début, quand tu refusais, moi, je me disais, c'est vraiment pour qui? Oui. Ton énergie ne me plaît pas, je ne te parle pas. Vous avez même peur des gens. Vous vous retrouvez dans les endroits où vous ne voulez pas être là. Vous êtes tout là. Tu fais quoi là-bas? Ah, tu sais. Vous, madame, vous allez partir à l'église tout à l'heure, non? Parce que tu sais que si tu arrives à l'église là, ton pasteur va t'appeler. Tu as peur du pasteur. Oh, vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. C'est quitte mon boulot, qu'est-ce que les gens vont dire? Si je pars, j'aménage dans une maison. Vous avez même peur de dépenser votre argent. Il y a quelque chose dont tu as envie depuis. Ah, mon mari va dire qu'il dépense l'argent. Mes frères vont dire que, voilà, j'achète pour mon enfant beaucoup, j'achète pour eux petits. Tu as ton argent. C'est toi qui as travaillé ton argent. Oh. Tu pars, tu vois quelque chose qui te plaît, tu as peur d'acheter. Tu vas acheter ce qui est moins cher. Tu veux même voyager. Tu achètes le billet en business class. Tu voyages avec ta copine qui refuse tout de dépenser son argent. Tu as envie d'aller en business class. Tu as peur que si tu pars en business class, elle va commencer à dire que wow, tu m'as laissé en classe, ça fait pas en classe économie, pourquoi? Tu as peur. Si vous ne comprenez pas la définition de la peur que je vous donne, vous allez croire que vous maîtrisez. Avant de vous faire cette vidéo, si je me suis assise, cette nuit, Dieu m'a montré les peurs que j'ai moi-même. J'ai dit, hey, je croyais que j'avais. Peur d'aller t'installer dans un autre endroit. Il y en a, mais vous voulez vous marier par peur. Il y en a, vous avez peur de vous marier parce que le premier mariage a échoué. Vous allez voir que 90% de vos actions sont influencées par la peur. J'ai bien dit les actes que tu poses ou que tu ne poses pas. Ce que tu poses ou que tu ne poses pas. Ton enfant vit chez ta soeur. Tu donnes de l'argent de ta soeur. Tu payes les choses des enfants de ta soeur. Tu as peur d'acheter les choses qui sont chères à ton enfant parce que tu as peur qu'on dise que wow, tu fais la discrimination. C'est ton enfant. Hop. Et votre famille vous met la peur dans le sens où
Ils vont vous faire du chantage émotionnel. Si vous ne faites pas face à votre peur, vous allez continuer là-dedans pendant des années encore. Ta famille, et vous avez la famille, on est toujours avec la famille. Tu montes, tu descends, ta famille est là. Monte, tu descends, ta mère, c'est ta mère. Il y en a parmi vous. La mère vous critiquait depuis que vous êtes petit, elle te comparait toujours à ta soeur. Dès que le premier arrive comme ça, là, tout ton argent, tu envoies la mère. Bah, tu as peur qu'elle dise que ton frère s'occupe mieux d'elle que toi. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour, Yago. Tu as même ta page. Hein. Tu as peur de mettre du contenu. Tu as peur de partager ce que dans ton cœur, ce qui te plaît. Bah, tu dis que ces gens vont m'écouter. Tu as peur de l'opinion des gens. Avant qu'elle faisait mes vidéos, je mettais le make-up, je faisais beaucoup de choses. Parce qu'elle me disait, ah, j'ai peur que mon audience. Je viens me réveiller, je n'ai pas moi bossé mes dents. Vous n'entendez pas, vous sentez mon haleine. Je m'en fous. Je vois qu'il est peut-être 5 heures quelque chose. Il y a beaucoup d'actes qui vous bloquent. Vous riez. Et c'est encore plus pire quand tu manques de confiance en toi. Et tu vas tomber sur un homme qui va encore t'assujettir. Tu as fait ça pourquoi? Ouais, bébé, j'ai fait ça parce que, ouais, ne te fâche pas. Tu vas voir que beaucoup de tes actes maintenant, c'est parce que tu ne veux même pas que l'autre personne se fâche. Tout acte que vous faites, parce que, oh non, je ne voulais pas que. Voilà la peur. Et dans les couples, ça agit beaucoup. Oh là là. Ne me faites pas rire, je vous en prie. Ça agit beaucoup. Tu fais plaisir à ta belle famille. Tu as peur qu'il ne parle de mal de toi à ton mari, que ton mari ne t'aime plus. Te voilà. Tu appelles les gens. Ça se voit que tu ne peux pas leur parler. J'ai fait les amis pour te dire bonjour. Parce que tu. Maman. Vous dites que vous n'avez pas peur. Écoutez, l'honnêteté avec vous-même va vous sauver. Be honest with yourself. Merci pour les cœurs, Stéphanie et tous les autres. Sois honnête avec toi-même. J'ai peur que le père des enfants ne me quitte. J'ai peur qu'il ne s'occupe pas de ses enfants. Donc voilà, vous êtes séparés, mais tu te retrouves dans le coucher avec lui. Girl, il t'a abandonné. Il t'a déjà abandonné avec les enfants. C'est peu importe ce que tu fais. Il t'a jeté. J'ai peur que mes enfants soient sans père. Ma chérie, il dort seulement à la maison. Hein. Tu n'as même plus de tes enfants n'ont plus de père. C'est encore plus pire quand tu te voiles les yeux. Merci pour les cœurs, Bibiane. Je sais que ce n'est pas facile. Mais cette nuit est vraiment. Le Seigneur m'a fait comprendre que. Je dois d'abord me rendre compte. Je dois faire face à mes peurs.
La peur, c'est un peu comme un démon qui te tient. Il t'empêche d'arriver à ton prochain niveau financier. Ton prochain niveau d'épanouissement. Et il t'empêche de te rapprocher de l'accomplissement de ta mission de vie. Certains, vous avez peur que votre argent finisse. Tu as peur que l'argent finisse. Voilà la peur. Dans le petit argent que tu as fait, tu vas faire le mini, 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 oh, mini. Ouais, Seigneur, ma part d'inspiration, c'est les... Tu as l'argent et tu as fait le mini, mini sur ton argent. Jeanne-Nana, le jour où tu vas dire que tu veux faire ce que tu veux. Hey! Maman, c'est l'heure de ça que tu vas lire. Quand tu vas acheter la voiture qui te plaît. Tu vas aller vivre dans le quartier qui te plaît. Tu veux manger ce qui te plaît. Même dans votre maison, la nourriture que vous préparez. Beaucoup d'entre vous avez peur. Il y a un genre de couscous là que toi tu aimes. Ton mari n'aime pas ça. Tu as même peur qu'il sente l'odeur de ça à la maison de gronde. Vous êtes prisonnière. Même moi, c'est là. Hier, Dieu m'a montré les prisons dans lesquelles j'étais encore. J'ai dit, Woyo. Oh, oh. Parfois, tu ressens ça, tu veux te marier. Je veux l'homme, je veux l'homme, je veux l'homme. Tu vois comme le bébé qui veut quelque chose. Je veux l'homme, je veux l'homme. Je veux aussi me marier, j'ai peur de l'opinion des gens. Faut pas qu'on dise que je suis. Je veux. Tu as peur d'être seul. Tu restes avec l'homme. Souvent, tu vois ça, tu regardes son comportement, tu dis que maman, on ne veut pas le jardin aussi. Après, tu te dis, ah. Si elle le laisse, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Bonjour, God de livre. Qu'elle parle aussi, Laurent Bonaclet, que je parle aussi pour les hommes. Beaucoup d'hommes, vous connaissez vos failles et vous vous dites que vous avez besoin d'une femme pour accomplir certaines choses. On te rencontre, tu n'as pas encore fait ça, pourquoi? Non, parce que je n'ai pas encore une bonne femme. Tu as peur de réussir seul. Certains d'entre vous avez peur de réussir vraiment. Genre, tu te sabotes toi-même. La reine Pierrette, bonjour. Tu te sabotes. Tu as peur de perdre du poids parce que tu sais que si tu deviens mince là, tu n'auras plus d'excuses. Avant, tu disais que ouais, je ne réussis pas parce que tu vois, je dois d'abord maigrir. Je dois d'abord maigrir, non, je dois d'abord perdre le poids. Tu as peur que si tu perds vraiment le poids, là, tu n'auras plus d'excuses. Pourquoi tu n'es pas mariée? Non, c'est parce que je suis grosse. Quand les hommes viennent, ils se plaignent de mon poids. Bonjour Ulrich. Bonjour Lindy. Tu as peur que le jour où tu as maigri, il n'y a toujours pas d'homme.
On va venir te dire que mais tu disais d'abord que tu n'as pas l'homme parce que tu n'avais pas, tu étais grosse. Bonjour le roi Hervé. Certains d'entre vous êtes dans des relations où vous avez changé. Vous avez déjà évolué. Et l'autre personne ne veut pas évoluer. Elle ne veut pas changer. Tu fais ton bain de sel, elle ne veut pas faire. Malheureusement, le risque que vous courez, quand vous êtes choisi et que vous décidez de vous développer, à un moment, tu peux surpasser, tu dépasses ta relation. Your relationship is now out of date. La date d'expiration de ta relation est déjà arrivée. Mais il y a la maison que vous avez construite ensemble. Il y a les enfants. Il y a la famille. Il y a ceci. C'est lourd sur toi. Tu sais, quand tu rentres, ta femme ne connaît pas parler d'entrepreneuriat. Elle est toujours là dans les. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça. Hein? Tu aimes quel genre de mari? Quand tu penses à rentrer à la maison, tu as les maux de tête. Il y a même des hommes qui rentrent chez eux. Avant de rentrer, boire le beau pied. Ils disent que dès qu'il arrive à mesure, il se couche, il dort. Tu vis dans la peur, tu es prisonnier. Ta femme est comme ton tyran. Tu as déjà tout fait, elle ne veut pas se développer. Tu as ouvert 5 boutiques pour elle. Elle a tout fait foirer. Oh, je veux vendre les mèches en ligne. Tu prends 5 000 euros, tu donnes. Oh, je veux faire le cosmétique. Je veux représenter telle personne qui veut le cosmétique. Tu prends l'argent, tu donnes. Oh, je veux ceci. Tu prends, tu donnes. Là, tu vois la paresse. Et tout derrière toi, finalement, tu es fatigué. Tu ne sais même pas que tu es fatigué. Vous vivez dans la peur. Pour checker la peur là, pour checker ce qui est dans ta vie. C'est généralement très tôt le matin. Entre 3h et 5h30. Lève-toi. Assois-toi. À ce moment-là, les gens sont calmes. L'esprit, tu peux bien entendre l'esprit. Pose-toi la question, si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'ai tout accompli ce que je voulais faire? Deuxième question, est-ce que je suis heureuse? Quand je rentre le soir, est-ce que j'ai envie de rentrer à la maison? Quand je me lève le matin, est-ce que je sens comme si je suis accompli? Si je pouvais changer 5 choses dans ma vie. Si j'avais les moyens et que je n'avais pas les gens autour de moi, qu'est-ce que je ferais? Beaucoup d'entre vous, vous laisseriez votre femme et vos enfants à la maison pour partir. Bonjour la reine Johanna. Vous coûteriez votre femme. Vous quitteriez votre femme. Dans l'esprit, de peur ne se combat pas tout d'un coup. Parce que vous êtes déjà sous l'emprise
C'est un train de pensée. Et c'est comme un tourbillon qui vous a déjà enveloppé depuis des années. Et tu fortifies et solidifies ce tourbillon chaque jour avec les gens qui t'entourent, avec les pensées que tu penses toi-même. Première chose que tu peux faire, si c'est possible, voyage pour 1 ou 2 jours. Même si vous partez seulement dans une autre ville. Genre, tu quittes de Douala, là, tu pars à Yaoundé. Le trajet du voyage, pendant que tu es sur l'autoroute. Le voyage, en fait, c'est aussi spirituel. Quand tu voyages, c'est un peu comme si tu disparaissais d'un endroit, tu apparaissais dans un autre. Et entre les deux, donc quand tu es dans l'avion, tu es dans l'avion, ou bien quand tu es dans le bus, le fait de voir les endroits défiler, de quitter d'une circonscription pour arriver dans une autre, d'une juridiction pour arriver dans une autre, d'une commune pour arriver dans l'autre. Et le fait de quitter ton environnement habituel, ça enlève quelques blocages. Et c'est comme si ton esprit est ouvert. De rien, la reine Nana. C'est comme si ton esprit s'ouvre pendant une petite période. Genre, c'est comme si tu as une petite ouverture. Penser. Et vous-même, vous savez que bien parmi vous avez plein d'enfants. Le matin, comme ça, c'est la tu rentres, tu tombes, dès que tu ouvres les yeux, tu es dans un tourbillon. Maman, maman, chérie. Le soir, tu mets ta tête sur l'oreiller à 22 h. Tu n'arrives pas à penser par toi-même. C'est pour ça que vous allez voir les gens à 50 ans, ils disent, je veux divorcer. Un divorce, c'est pas faire le tour de 5 pays, 50 pays, je sais pas. Si vous ne pouvez pas, s'il y a l'eau dans votre ville, partez juste au bord de l'eau. Vous asseyez. Mais le voyage aide beaucoup. Beaucoup de mes décisions importantes, je les prends lors d'un voyage. Ou bien quand je suis loin de mon environnement habituel. C'est un peu comme si tu te rechargeais. Parce que 1, 2, 3 journées que tu passes loin de ton environnement initial, ton énergie se recharge. Ne voyagez pas avec les Decepticons qui sont chez vous, qui vous empêchent de penser. Parce que sinon, tu portes encore ton environnement pour voyager avec ton environnement. Si tu ne peux vraiment pas, dans ta ville, cherche une chambre d'hôtel quelque part. Va là-bas pour une nuit. Ne pleure pas l'argent hein, qui t'a vu l'esprit de pauvreté là. Il y en a même que vous ne pouvez pas faire votre. Vous pouvez pas faire votre travail spirituel à la maison. Même l'encens, tu peux pas brûler à la maison. Tu es bloqué. Tu ne peux même pas brûler l'encens à la maison. Parce qu'on te check. Il y a une femme qui m'a dit qu'elle est mariée à un homme qui est un peu célèbre là. Il y a les caméras chez lui. Même dans sa propre douche, elle ne peut pas se laver avec le sel. Elle doit aller dans la maison de sa soeur. Elle est en prison. Certains d'entre vous, si vous pouvez, partez même dans un autre pays carrément. Tu prends un ticket pour 3 jours, tu pars en Espagne, ou tu pars à Paris, ou tu pars à Londres. Certains, vous venez, quand vous venez pour faire votre travail spirituel chez moi, là. Les gens ont déjà commencé à faire les réservations.
Oh my God. Oh, sommeil. J'ai compris. Je vais dormir, sommeil. Donc, prévenez-moi au moins 2 semaines avant de venir. Parce qu'il y a un moment, je ne suis pas dans le pays. Donc, en voulant voyager, au lieu de venir au Cameroun, tu peux venir même plutôt dans le pays où je me trouve à ce moment-là. Et je fais toujours ton travail spirituel. Donc, quand tu vas dans cette chambre d'hôtel ou bien tu voyages, première chose que tu vas faire, il faut passer du temps seul. N'arrive pas là-bas, tu sors encore, tu peux aller voir les gens dehors. Reste dans la maison le jour-là. Télé, mets quelques vidéos. Peut-être si c'est moi que tu suis, mets les vidéos que je fais. Si possible, fais jouer là toute la nuit. Tu écoutes, tu dors, tu te réveilles, tu écoutes, tu dors. Ça va nettoyer. Fais ton bain de sel aussi quand tu viens d'arriver. Tu boules l'encens dans la pièce où tu es. Téléphone même. Tu n'utilises le téléphone que pour regarder les vidéos. WhatsApp, pas besoin. Tu es en train de faire ta petite retraite. Excusez, ouais, j'ai pas beaucoup dormi la nuit. Tu te proposes les mêmes questions là. Si je fais l'accident demain, je meurs. Est-ce que dans mon acte, dans mon cercueil là, je serai contente de moi? Si la réponse c'est non. Deuxième question. Qu'est-ce que j'aimerais faire avant ma mort? Tu peux même t'amuser, tu écris la liste des 100 choses que tu aimerais faire avant de mourir. Et là, vous allez voir qu'il y a encore 99% de ces choses que vous n'avez pas osé faire. Et peut-être que vous êtes marié à un homme ou bien vous avez un copain qui ne veut pas. Ouais, arrêtez de m'écrire, c'est quoi? Tu vas te rendre compte que de ces choses-là, tu ne les as pas encore faites. Et l'homme ou la femme avec laquelle tu es t'empêche de les faire. Il y a beaucoup d'entre vous, les femmes, la chirurgie par exemple. Si tu as l'argent, tu prévois peut-être augmenter tes seins. Augmenter ton derrière, diminuer ton ventre. Et quand tu en parles, peut-être à la personne avec qui tu es. Hein? Tu as fait ça pourquoi? Hein? Oh, tu veux. C'est quelque chose qui t'épanouirait. Maintenant, tu te bloques. Parce que tu te dis, si je fais ça, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne va plus m'aimer. Voilà une prison. Il y a des choses que quand je n'avais pas encore les sous, je me suis promis à moi-même de faire. Et aussi que j'ai quand même, je pense que j'ai galéré quand même pour au moins quelques 4 ou 5 vies. Donc, j'ai tellement galéré sur certaines choses que je me suis dit, je dois faire ça. Donc, quand j'ai commencé à les faire, j'ai vu que la famille, pour le premier moment, se pointe. Les amis, ah, pourquoi tu fais ça? Parfois, même les Facebook, tu connais, non. Je laisse les faire mes cheveux, ça vous dérange? C'est mon corps, c'est ma tête, c'est mes cheveux. Il y en a parmi vous là même que même pour raser tes cheveux. Tu veux raser tes cheveux depuis. Comme je vous parle, ça y a des idées. Vous avez des choses qui vous remontent. J'ai toujours voulu faire telle chose. J'ai toujours aimé ça.
Tu n'oses pas. Je suis béni. Ah. Je suis béni. Ah. Bonjour, Nikita. Et je vais pas vous mentir, il y a les choses que quand je fais, ça me libère. En fait, c'est comme si quand tu poses une action que tu avais peur de poser avant, ça te donne la puissance. Je pense aux choses que j'ai fait. Chaque semaine, j'ai toujours un truc que je n'ai pas essayé quand même. Il y a peut-être un restaurant dans ta ville que tout le monde dit que oh, c'est cher, c'est cher. Tata, tu voulais aller manger là-bas. Tu pars, tu manges. Tu rentres, tu vois que tu n'es pas mort. Il y a un magasin là que quand tu n'avais pas l'argent, tu rentrais là-bas, on te regardait là. Que madame, vous êtes là pour votre patron. C'est votre patron qui vous a envoyé. Vous êtes ménagère de... Non. Aujourd'hui, là, tu as dit que je vais partir là-bas. Bah, tu achètes des choses, tu achètes, c'est satisfaisant. Bien, ton banquier commence à t'appeler, madame. Madame, vous savez, nous pouvons investir, placer votre argent. Avant, c'est moi qui vous appelais tous les jours. Ouais, donnez-moi le crédit, non. Ouais, donnez-moi le crédit. Donc, si jamais tu t'éloignes, tu vas en avoir seul. Pendant ce séjour-là, choisis une des choses que tu as toujours eu peur de faire et fais cette chose. Agis sur vos peurs, ça vous donne le pouvoir. Il y a un genre de voiture que parfois, depuis que tu es petit, tu as toujours eu, on t'a toujours mystifié avec la voiture-là. Un de tes ex t'avait nagué avec sa voiture. Un jour, le gars, il te dit, sors de ma voiture. Il avait une Range Rover ou une Mercedes. Ou un jour, tu dis, ah, tu peux même me donner ta voiture-là, je peux conduire ta voiture. Il dit, qui? Ma voiture? Il t'insulte avec sa voiture. Aujourd'hui, tu te dis, j'aimerais bien acheter même les deux couleurs de cette voiture. Je vais acheter le rose et le noir, ouais. Achète, tu vas pas mourir. Je veux dire que habituez-vous à l'insolence de l'argent. Bonjour la reine Colombe. Je suis à Abidjan. Merci de m'accueillir, Abidjan. Demain, je suis à Douala. Après-demain, je suis à Abidjan. Je suis partout. Habituez-vous à l'insolence de l'argent. L'argent te donne les options. Tu ne peux pas être riche et tu as peur. Ça ne va pas ensemble. C'est pour ça que vous devez tuer la peur dans vous maintenant. Le riche arrive quelque part, on lui dit qu'il ne peut pas. Il dit, mais attendez un peu. Il y a combien de chambres sur le palier là? On dit 20 chambres, madame. Ok, réservez-moi les 20 chambres. Il ne fait pas ça parce qu'il veut. Le riche n'aime pas quand on lui dit non. Merci pour le compliment, Donald. Le riche se met juste à l'aise et tout. Tu vois, je vais être en prestige. Je vois le bus VIP. Tu veux t'asseoir seul. Tu payes deux places. Tu payes six places. Good morning, Kingsley.
Testez un peu ça. Tu achètes deux tickets, un ticket pour toi, un ticket pour ton sac. Tu déposes ton sac sur ta chaise. Tu vois, au moins les gens seront choqués. Tu paies la place de ton sac. J'ai l'argent. C'est mon argent. Je le fais. C'est quoi? Is my money. La Bible dit que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. C'est-à-dire, si tu as l'argent, on te dit que le dossier, si ça prend 6 mois, tu arrives, tu dis qu'il n'y a pas. C'est pour ça que, surtout les Anglais et les Américains, ils ont toujours les trucs de fast track. Fast track. Tu arrives, tu ne veux pas faire la queue et attendre 2 heures de temps. Il y a le fast track, on te dit que paye 5 fois ce que les gens payent ici là. Tu payes, tu es le prochain client. Tu entres dans ta salle à toi. Business class. First class. J'ai une cliente qui est venue l'autre jour pour son travail. Elle me dit qu'elle a voyagé en business class. C'est ça que pesait. Donc les gens qui ont porté ces sacs pour mettre dans la chambre, ils étaient choqués. Je dis, maman, comment ton sac pèse comme ça? Elle dit, moi, ils savaient même pas, c'est pas moi qui ai porté mes sacs. Maman, quand je voyage en business class, il y a des gens pour porter tes valises. Du coup, il y a des petites choses que tu ne fais pas comme tout le monde. Et tu t'habitues. Faites aussi de la méditation. Donald, tu ne dragues pas bien. La méditation va te permettre d'évacuer les émotions. Parce que la peur, c'est une énergie négative qui te frustre à cause d'une pensée que tu as. Ou bien quand tu vois quelqu'un. Ou encore quand tu te retrouves dans un environnement particulier. Ça t'attache en fait. Le résultat, c'est que ça t'empêche de parler. Ça t'empêche d'aller à certains endroits, de prendre certaines initiatives. Maintenant, si c'est un environnement dans lequel tu es, troisième chose que tu vas faire, tu vas visualiser ce qui se passerait si ta peur se réalise. Ok. J'ai peur que l'homme m'abandonne et que je sois seul. Ok. Envisageons. D'accord, je me vois. Je me réveille un beau matin, il est parti. Il n'a même pas laissé l'argent. Je suis seul. Je l'appelle sans passer, il me dit que c'est fini entre nous. Je pleure. Je pleure. Voyez ce qui se passerait si jamais votre peur se réalisait.
Et dans cet exercice, ne fuyez pas. Genre, tu as peur de prendre l'avion. Ok. Si je prends l'avion, ça fait l'accident. Crac. Je meurs. C'est fini, non? Parce que la fin de votre peur, c'est la mort. Quand vous regardez au fond de toute peur, il y a la peur de la mort. Il y a la peur de la mort. J'ai peur que l'homme-là me laisse seul. Je reste avec les enfants. Je n'arrive pas à m'occuper d'eux. Je manque d'argent. Après, je meurs. J'ai peur que je parte. Si vous regardez, quand vous commencez à visualiser votre peur, vous allez voir que dans 99% des cas, il y a toujours la mort, la mort, la mort. Et tu vois que si tu meurs, n'est pas tu es mort. De toutes les façons, un jour vous allez mourir. Quand la peur de la mort finit dans ton corps, tu es prêt pour être riche. J'ai peur que j'achète la marchandise, ça arrive ici, je ne vends pas. Ah, tu ne vends pas et plus quoi? Hein? Tu ne vends pas et plus quoi? Et puis? Bonjour le roi Hachi. Visualisez même votre propre mort. Puisque de toutes les façons, vous allez mourir. Écoutez, répétez-vous toujours dans la journée. De toutes les façons, je vais mourir un jour. De toutes les façons, je vais mourir un jour. De toutes les façons, je vais mourir. Bon, comme je vais mourir, autant mieux que je fasse ça, non? Sylvia, de toutes les façons, tu vas mourir, ma chérie. Donc, si tu prends l'autoroute, tu vas mourir. Tu as compris? C'est seulement que c'est question de jour. Comme on dit, question de temps. C'est tout. C'est seulement question de temps. Vivez seulement, non. Un jour, vous allez mourir. Continuez seulement de vivre. Un beau jour, tu es mort. Maintenant, voilà le raisonnement. Puisque je vais mourir de toutes les façons, since I'm gonna die anyway, pourquoi ne pas faire telle action? C'est pour ça que la Bible dit que Jésus a vaincu la mort. Jésus n'avait pas peur de mourir. Il y a les villes où vous voulez partir vous installer. C'est là-bas que ton bonheur est. Mais vous avez peur. C'est effectivement cela, le roi Yves. Quand vous finissez votre
visualisation de votre mort. Si vous faites ça peut-être une, deux, trois fois par semaine, au cours de cette première semaine, vous posez au moins deux ou trois actes dont vous aviez peur avant. Vous allez voir qu'à chaque acte que vous posez, vous en ressortez plus puissant. C'est encore plus puissant qu'avant. Maintenant, il faut juste continuer. Et vous allez voir que quand une peur va s'estomper, une autre peur va surgir. Il y a des choses que vous ne saviez même pas, vous avez peur. Donc, vous ne saviez même pas avoir peur. Dès que tu enlèves, tu dis laver la peur peut-être de voyager. Maintenant, tu restes là, tu dis, ah, je n'ai plus peur de voyager. Je n'ai plus peur de prendre l'avion. Demain matin, tu vas, oh, une autre peur. Oh. Je savais pas que j'avais peur de ça. Chaque couche de peur, ça enlève une énergie négative en vous. Et quand le négatif parle, le positif sur ça, ça se fortifie. Il y a même les endroits de votre ville où vous avez peur de partir. Il y a des restaurants dans lesquels vous ne pouvez jamais oser partir. Vous avez peur. Vous avez peur de la facture qu'on peut te donner là-bas. La facture d'un truc, c'est ton loyer mensuel. Tu vas là-bas, tu prends un repas de 100 000 francs. Porte un jour 100 000. Tu pars là-bas, tu manges ce que tu veux. On te donne la facture. Tu payes. Je vais voir si tu vas mourir quand tu vas payer ça. C'est comme ça qu'on se débarrasse de la peur et qu'on change de niveau. Bonjour le roi passé. Certains, vous avez peur de démissionner pour lancer votre activité. Décide-toi, j'arrête. C'est bon, c'est fini. Lundi, tu ne pars pas, mardi, tu ne pars pas, c'est fini. Ne laissez pas qu'on dise que telle chose c'est pour les riches. Ah, ça c'est pour les gens de là-bas. Allez essayer beaucoup de choses. Il n'y a pas des choses que c'est seulement pour les noirs. Il y a des choses seulement pour les blancs. Parce que les noirs ont souvent cette attitude-là. Ah, ça c'est le truc des blancs là-bas, non. Va faire le truc des blancs. Offre-toi des fleurs. Prends un stripteaseur et viens chez toi faire le striptease. Un jour, ma copine est venue au Cameroun faire son enterrement de jeune fille. Je voulais lui offrir le stripteaseur. Mais il y avait une tante de son mari qui était là. Elle a gâté toute notre soirée. Là. Elle que son genre de tante là. Que si on tente de faire venir le lendemain, la mère va gâter le mariage. Oh Seigneur. Ouais, j'ai fait les choses. Et trouver le stripteaseur à dollars, c'était pas facile. Je crois qu'il avait demandé 100 000 francs la nuit, là, un truc comme ça, je ne sais plus trop. Mais j'ai encore son contact, hein, si vous êtes intéressé. Aïe, aïe, laissez-moi comme ça. Beaucoup de vos choses que vous vous retenez vous empêchez de faire.
C'est là votre libération. Et dites-vous toujours que tous les gens dont vous avez peur, ils ont aussi la chair comme vous, ils ont le cœur. Ce sont les êtres humains comme vous. Parfois, tu as quelque part, on te dit que tu vois un grand immeuble, que tu sais que l'immeuble a coûté même 1 milliard pour faire le complexe. On te dit, voilà le patron, voilà le monsieur qui a tout ça. Tout le monde a peur de lui. Pas le voir, tu te présentes. Bonjour monsieur, alors comment allez-vous? Bon voilà, moi c'est Justine. Je fais dans... Tu as peur de lui, pourquoi? Il a la chair comme toi, non? Il va aux toilettes comme toi, non? Pour les peurs, étape par étape. Commence d'abord par un petit truc que tu fais. Après, tu fais encore un autre petit truc. Tu peux même te dire que chaque jour, je vais faire quelque chose auquel je ne suis pas habitué. Chaque jour, I'm going to do something. Il y a les manèges qui te portent, ça te soulève en l'air, après ça te fait encore tomber. Wow! Après, wow! Voilà, partez faire le genre de manège là. Quand tu vas descendre de là, tu n'auras plus peur de quitter ton gars. Tu vas descendre là, tu vas dire que chérie, je te quitte. Que la vie, c'est même quoi? Si on mourra en haut là-bas. Ah, la dernière fois qu'il fait le manège, ça en 2013. Il dit qu'il veut plus faire ça. Que j'aime ma vie, c'est quoi? Pourquoi je vais venir vouloir me mettre des fausses émotions dans le corps? Oh. Mais allez au moins faire une fois. Allez, fais au moins une fois. Pierre, tu fuis le manège. Au moins une fois, va faire la sensation. Tu as la sensation de ça. Quand tu vas descendre de là, tu auras le courage. Aïe. Que si je mourrais en haut là-bas? C'est que quand tu es dans le manège, surtout qu'on a bloqué les machines là, tac, 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 tac. Tu sais que tu ne peux plus essayer entre les parties que wow, tu dis yeah, qui m'a envoyé. Après, tu te dis que si je crie, ça ne va pas arrêter la chose. Si je pleure, ça ne va pas changer la chose. Si je demande qu'on arrête, on va pas arrêter. Mais là, tu sais le cas. Vous savez quoi? Allez faire un coup de manège aujourd'hui. Ça va enlever les peurs de vous. Faudrait que j'en refasse d'ailleurs. Il y a le manège qui est en face de Chop et Yamuna. Il faut que je parte là-bas. Juste un petit coup de... Juste pour te rappeler un peu. Tu observes ceux qui montent, tu as peur. Gars, l'affaire là. Il dit que j'aime avoir mes pieds sur la terre. J'aime savoir que mon pied touche la terre. Ouais. C'est super, la reine mamie. La peur, c'est même quoi? La chose dont tu as peur, là, n'est-ce pas, les gens font ça? Donc, ceux qui montent dedans sont enfer. Quelqu'un peut monter là-dedans hein, et il monte seulement pour le fun. Mais toi, tu montes parce que tu es en train de faire ton travail. Tu es en train de te guérir. Tu es en train de faire ton propre travail spirituel. Tu dis, chaque jour, je dois faire quelque chose qui me faisait peur avant. Monter dedans. Tu dis que je vais le faire, je vais le faire. Tu pars, tu paies le ticket. Alors que toi-même, avant, tu avais dit que je ne peux jamais. Tu pars seul, hein.
t'assois dedans. On ferme le truc, clac, clac, clac. Tu dis yes. Quand tu es en haut là-bas, tu fais. Après, tu commences à te dire, c'est juste mon corps qui réagit. Toutes les sensations là, quand tu vas descendre là, je suis sûr que tu vas prendre une décision très importante dans ta vie. Il y en a, vous savez que votre. Tu veux commencer par quel balançoire? Ouf. Vous savez que votre business ne marche plus. Vous avez peur de fermer parce que vous dites que si je ferme, ça, je vais faire quoi d'autre? Oui, le roi Pierre Blackwood. C'est une bonne thérapie spirituelle. Il y en a, vous devez arrêter vos activités, certaines activités que vous faites. Parce que vous avez fait ça quand vous avez commencé l'activité là, quand vous n'étiez pas spirituel. Et les agents de lumière, généralement, hein, vous avez tendance à faire des business qui sont dans le bien-être pour rééquilibrer les autres personnes. Peut-être tu vends des chaussures. Tu as commencé ça, ça fait 5 ans. Et tu as commencé à devenir spirituel là. Maintenant, tu veux faire un centre de méditation. Arrête de vendre des chaussures. Décide-toi un net, net, un jour, tu dis que c'est bon. Moi, je suis champion de ça. Quand un truc est fini dans ma vie, même quand il est fini, quand j'arrête une relation avec quelqu'un, c'est fini, fini, non, on ne parle encore de quoi. Tout la marchandise qui reste là-dedans, liquide ça. Va me donner à l'orphelinat. Non, j'ai trop investi. J'ai ton énergie a changé. Tu n'es plus la même personne. Le business ça ne te correspond plus. Commence même les méditations là dans ta chambre ou dans ton salon. Apprenez à devenir radical. C'est quelque chose que les gens n'ont pas souvent aimé chez moi. Moi, je suis patiente. Mais quand elle dit que c'est fini, que ce soit avec un employé, elle te dit que tu fais, je te dis que même pas, maman, change-moi, change ça. Où? Le jour où elle me lève et te dit que c'est bon, elle dit que tu es à 50% sorti de mon cœur ou de cette entreprise. Après, elle dit que tu es à 60% sorti. Tu es à 70% dehors. Tu arrives toujours en retard. On donne des trucs à faire. Tu es là en entreprise depuis 3 mois. Tu ne connais pas le nom d'un produit. On te donne les vidéos de regarder. Tu ne regardes pas. Un bon matin, on s'est dit que mamie, c'est fini, pardon. Voilà combien t'es, tu as, le mois si tu as travaillé. Voilà le truc, pas. Bye. Ton énergie ne correspond pas à cette entreprise. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Ils ont comment parlé de la peur. Si vous avez peur d'écouter ma vidéo, si vous avez peur d'agir sur ce que j'ai dit, Marie-Laure, on ne prend pas les décisions tout doucement. On prend les décisions, point. C'est ça qui vous ralentit.
Prends la décision tout doucement. Tu as vu ça où? Soit tu fais, soit tu ne fais pas. Soyez radicaux. Je me décide et je vais devenir riche. Voilà. Tu prends la décision, tu poses les actes qui suivent avant, avec. Mais je suis très radical. Hein. Là, les gens ont souvent utilisé ça contre moi. Je suis radical. C'est un bourreau, je te dis que c'est fini comme ça, l'amour. Oublie. Oublie. Bon. Allez mettre en pratique ce que vous enseignez aujourd'hui là. Vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Bon dimanche à vous.